Alors, la première fois que j'ai fait un stage en psychiatrie, c'était mon deuxième stage de toute ma formation et c'était marqué unité fermée. C'est-à-dire que de base, voilà, j'étais lancée dans le grand bain en gros. Je suis arrivée, on m'a direct dit va prendre les paramètres vitaux dans des patients. Au début, ça m'a paru un peu bizarre. Enfin, je me suis dit donc moi je peux y aller comme ça. Et j'y suis allée. Et en fait, le patient, la première question qu'il m'a posée quand moi je lui ai demandé si je pouvais lui prendre ses paramètres vitaux, il m'a demandé mais vous avez pas peur de nous, mademoiselle? Et je me suis dit c'est horrible d'avoir cette pensée-là à chaque fois que quelqu'un vient se présenter à soi, quoi. Et tout de suite, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je mette tous mes a priori de côté, sachant que, enfin franchement, après, bon, il y a des journées plus ou moins calmes, mais j'étais arrivée sur une journée très très calme, moi. Et tous les patients étaient en souffrance, oui, mais c'était pas plus choquant que dans n'importe quel service, en fait.